plus important était pour nous d'abord de penser à l'héritage de ce village et donc de ce que nous allons laisser pour la future population de Seine-Saint-Denis. Et donc ce quartier de ville est 100% accessible universel, ce qui nous a permis aussi de pouvoir déjà avoir un village qui est programmé pour la phase paralympique. Et donc l'ensemble des voiries, des trottoirs, des accès sont complètement accessibles PMR pour des personnes à mobilité réduite. Moi, j'ai fait 3 éditions des Jeux Paralympiques. J'ai systématiquement dormi au village l'intégralité de la durée des Jeux. Ce qui est vraiment différent, c'est l'accessibilité partout. C'est que toutes les solutions, elles ont vraiment été pensées, et y compris la mobilité. C'est quelque chose qui apparaît doucement. Moi, en 96, il y avait une solution à Atlanta pour les personnes qui marchent, de se mettre dans un petit train pour faire le tour du village. Mais rien n'avait été prévu pour les personnes qui étaient en fauteuil roulant, qui du coup avaient besoin, elles, de pousser leur fauteuil tout autour du village.